Ah, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3 et aujourd'hui deuxième épisode de l'ouverture des ravitaillements. C'est parti <music> Me voici dans le menu de Black Ops 3. Et pour ceux qui ne savent pas, j'avais déjà fait une vidéo, premier épisode de l'ouverture des ravitaillements. Effectivement, grosse nouveauté sur Black Ops 3, quand on va jouer dans le multijoueur, on va gagner de l'expérience, mais également des clés de cryptage. Et pour ça, on va dans le marché noir, bam, et avec les, avec les clés de cryptage, pardon, on peut obtenir des ravitaillements standards ou rares. Voilà, dans chaque ravitaillement, nous avons trois choses ça peut être des petits logos pour en créer des emblèmes, mais également des camouflages pour les armes, pas mal de choses, des mouvements pour pour les personnages etc des personnalisations bref des choses sympathiques et finalement ça ne coûte rien simplement en temps de jeu on débloque des clés de cryptage là j'en ai 101, ça veut dire que je vais ouvrir 100 ravitaillement standard la première fois j'avais ouvert et standard et rare et finalement j'ai vu que le rare n'apportait pas vraiment quelque chose de, de si exceptionnel que ça euh, par rapport au standard donc je vais préférer utiliser euh, mes, euh, mes clés de cryptage pour ouvrir 100 ravitaillement standard et donc on va commencer sur le premier pom changer les clés de Coup 10, voilà, donc à savoir qu'une clé de cryptage ça prend à peu près euh, une partie pour l'avoir Alors là, crochet du droit, frelon et là tir croisé Ah C'est pour quelle arme ça Variante pharo chargeur grande cape Ah c'est une arme qui s'appelle le pharo je crois hein. C'est-à-dire que, effectivement, quand on va avoir une arme, on pourra mettre euh, un chargeur amélioré, par exemple, ou un accessoire. Et on voit qu'à chaque fois qu'on va créer l'arme, sur l'accessoire, on voit l'apparence. Parce que l'accessoire va vraiment avoir un impact direct sur l'apparence, contrairement à, à avant sur Call of Duty, où ils avaient pratiquement tous la même chose. Et là, effectivement, ça permet de changer l'apparence. C'est-à-dire qu'on met le chargeur grande cap, mais on a différents designs. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Et c'est légendaire. Donc c'est plutôt pas mal. Mais je crois qu'il y a encore mieux que légendaire. C'est épique. On continue alors là il m'en reste euh, il reste pas mal donc on va comment continuer ça allez ça on va donne. ouvrir les 10 voyons ce que ça donne. Il m'a encore donné la même Oh, c'est quoi ça Alors un petit camouflage Shiva, voilà, qui est qui est sympa, camouflage vert, voilà, verdé comme il dit. Euh, ok. Et un autocollant arcade. Bon, on s'en fout un peu. Alors je pensais qu'on pouvait pas avoir les objets en double. Finalement, euh, je me suis trompé puisque on les a. Voilà. Allez, on continue. Okay. Échanger avec les cryptages. Okay. Bah, 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 bah J'aime bien le petit mystère qu'il te met. Ah, sympa. 3 camouflages Ça c'est bon Alors les camouflages à chaque fois c'est pas un camouflage que tu gagnes sur toutes les armes Mais c'est vraiment un camouflage sur une arme à proprement dit Donc là j'ai le camouflage euh, infernal Voilà voix et chant. C'est plutôt sympa finalement parce que comme ça quand je vais utiliser ces armes là je vais pouvoir avoir des camouflages euh, originaux. Voilà que bah, c'est le seul moyen de les obtenir c'est en ouvrant euh, ces ravitaillements. On ne peut pas les obtenir autrement. Hein. Et l'avantage c'est que les ravitaillements ne coûtent, pas, ne coûtent rien. Contrairement au largage de ravitaillement payant qu'on avait sur Advance Warfare, là c'est simplement en temps de jeu. Et comme j'ai dit à peu près une clé de cryptage chaque partie qu'on va réaliser ou deux, voire suivant la performance qu'on va faire. Ça Donc finalement bien. ça va assez vite quand même pour ouvrir au moins un ravitaillement. Yes Le locus Un camouflage Wouhra Oh il est trop stylé Oh putain, il est trop classe J'étais content pour le locus mais celui-là vraiment il est trop classe Alors on va on verra ça après, on va regarder à peu près ça tout ce qui se passe. Alors camouflage locus, ça fait plaisir, je voulais un camouflage de locus, c'est bon, c'est fait, c'est là. On continue. Ouh putain, j'aime bien. Il est sympa. Yeah Alors beaucoup de camouflage, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que sur les largages de ravitaillement sur Advance Warfare, on avait que de la merde, des strings, des chaussures, des claquettes, bref, c'était de la merde, on s'en foutait, là c'est vraiment des choses qui nous importent, des choses qu'on va pouvoir se servir et voir quand on va jouer, euh, pas simplement, tiens t'as une casquette, un bonnet clown, voilà. What? Là, vraiment, un camouflage, ça a son utilité. Donc, je trouve, franchement, que les ravitaillements de Black Ops 3 sont euh, millions de fois supérieurs par rapport aux ravitaillements qu'on avait sur, euh, sur Adventure Warfare Ce n'est même pas comparable. Voilà. Euh, pourquoi je dis Adventure Warfare Mais ah, pff, je vais me laver la, la bouche avec du savon. Celui-là a l'air sympa. Alors, c'est con qu'on puisse pas. On pourrait faire des petites inspections, tu vois, un petit peu quand Counter-Strike. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent Ouais, ils sont vachement inspirés de Counter-Strike. Eh, franchement. S'inspirer des bonnes choses, je vois pas où est le mal. Au contraire, franchement, on a tout intérêt à s'inspirer des bonnes choses. Alors, ça serait bien qu'on puisse justement avoir une prévisualisation. Tu sais, comme sur Counter-Strike où ça arrive, où tu vois vraiment le truc de près. Mais on ira après. Voilà, on okay. continue. Allons-y. Allons-y. Donne-moi un truc avec le SVG 100 là, j'aimerais bien. Ah, dommage. C'est pas remboursable. Pas remboursable. Bon, ça va, ça va, ça va. Bon, il nous en reste 4 à ouvrir. Ouh, Yes Oh putain Le camouflage violet sur l'HBZ100 Ah Ça, ça fait plaisir Ah <laughs> oh, Je le voulais Ah oh, Je suis content on va, on va regarder ça tout ça après hein. jamais... Ah bah tu vois, c'est pour ça que je préfère utiliser les, les normaux Parce que les autres, on n'a pas forcément d'énormes choses. Oh putain encore un Oh là là Contraste Oh putain, on va aller tester tout ça. Bon. mieux. Mais j'ai connu pire. Voilà, ouais, allez, un petit dernier pour la route. Ok, allons-y. Allons-y. Sympa. Bon, écoutez. Celui-là, il est moche. Bon, <laughs> s'en fout. Il est joli. Bon, voilà, c'est sympa. Écoutez, euh, on va donc continuer. Donc là, je n'ai plus de cryptage. J'ai du mal à le dire. <laughs> on va aller voir On va aller voir ça. Alors, je sais pas, euh, on va aller créer sa classe. On va se mettre là. Hop, regardons voir. Le, on va le voir directement ici. Comme ça, ça évitera de... Voilà, marché noir. De nouveau. Voilà, le contraste, bon, qui, est, euh, qui est sympa, mais sans, sans plus. Et là, le violet. Ah, celui-là, il est cool. Celui-là, il est cool. Voilà, bien violé comme ça. Il fait penser un petit peu au royalty qu'on avait. Donc, ça, ça fait plaisir. Euh, quelle autre arme nous avions débloqué Un truc. Euh, je, le locus. Ah oui, effectivement. Le locus. Voilà, bon. Il est il un petit peu animé ou Non, non, c'est pas derrière, oui, voilà, effectivement. Il est sympa, il est sympa, voir en vrai comment ça, enfin, dans le jeu, mais euh, pas la grande chose. Ça manque un petit peu de contraste et de luminosité à mon goût, mais euh, sympa néanmoins. Voilà, on va voir à peu près ce qu'on avait, je crois que j'en avais à gagner pour celui-ci, je crois bien. Alors là, il suffit d'aller dans Marché Noir, non, j'en ai pas gagné, bon, j'ai cru, je m'y trompu plus. Euh, alors je peux pas les sélectionner malheureusement Ah oui j'en avais gagné Ah oui c'est ça la pharo C'est celle-ci euh, L'assaut euh, Le fusil à pompe Malheureusement je suis encore euh, un level pas très élevé donc, euh, donc je ne peux pas les sélectionner Ah non mais je peux ah, non, en fait je peux les acheter J'avais gagné un qui était sympa je crois pour la Weville Bon on va la, on va la débloquer l'équipe Allez on va voir un peu ce que ça donne De toute façon on s'en fout Ah là j'en ai deux nouveaux Ah oh, putain il est vachement classe celui-là Tu vois celui-là sur le locus ça ferait vraiment bien hein Et le soleil Wouah! Et il est stylé sans blague! Non, franchement, il est grave stylé! Mais ça, c'est pareil, sur le locus, ça serait génial! Putain, oh, Qu'est-ce qui se passe là? Alors, j'avais gagné, euh, je sais plus, sur euh, les autres c'était moins, moins joli. C'était vraiment ceux-là les plus jolis. Bon, et eh bah ben, écoutez, c'est tout euh, en ce qui concerne l'ouverture des ravitaillements sur Black Ops 3. Euh, J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je suis vraiment content d'avoir gagné des camouflages et pour Locus et pour le SVG 100 parce que c'est deux armes que j'utilise le plus. Finalement, je gagne pas des camouflages pour des armes que je n'utilise pas. Enfin, j'en gagne pour des armes que je n'utilise pas, mais, euh, mais j'en gagne pour ces armes que j'utilise. Donc c'est plutôt positif. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, euh, vos questions, vos suggestions si vous. Que vous voulez, voilà, ça fait plaisir. Toujours les petites suggestions, euh, effectivement, et tout ça. Voilà, des commentaires, des questions, bref, tout ça. Et si ça vous a plu, je vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à faire exploser le compteur des pouces bleus, des likes, ça fait plaisir, c'est la récompense. Et pour ma part, je vous laisse. Je suis une excellente journée, que l'honneur, que bonne chose. Je suis la fois prochaine. à ciao, bye bye.